comment ça va? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et ce soir, on va aller à Lyon. J'attends un pote à moi là, qui va venir avec moi. On a à peu près 1h30 de route, 2h. Bon les gars, là on est à la station service, on va mettre un peu d'essence et on va repartir. On a fait quoi, 50 kills? 40 kills? 40 kills, mon ami. Simplement 98 toujours. Hein. À 86, waouh, elle est chère. On va mettre le plein histoire d'être prêt là. Tiens, c'est pas grand chose. Bah non, tranquille. Non, écoute, c'est bon, fais-moi plaisir. Allez, on squatte pas. Si, gars. C'est 40 balles, c'est pas grand chose. Attends, je m'en kiffe. T'es fou ou quoi? 50. Bon, on est reparti, 44 litres. Oh, bon les gars, on est reparti là, on a mis l'essence, on a mis ce qu'il faut, donc là on repart direction Lyon avec mon pote Mikouz. On va rejoindre quelques potes aussi comme je vous avais dit avant. Maintenant je comprends ce que je vous ai dit, non je vous ai pas dit. Donc on est reparti, je pense qu'on va arriver vers, je sais pas quoi, 21h30 je pense. Ouais. 21h30, et puis je vais vous filmer encore un peu le voyage et puis on se retrouve là-bas. Peace. Faire le change là parce qu'en fait on est con, on a oublié exactement, on a oublié de prendre des euros vu qu'on a que des francs suisses. On va vite aller au change avant la douane parce qu'après c'est beaucoup trop cher après, et comme ça mes cousins ils profitent pour fumer sa petite clope là. Faut se mettre à la vape mon gars. Ah ouais, on pouvait se parquer ici. Ouais, mais t'as une arrêt de côté, tu vois. Je sais pas, ouais. Non, non, non. Putain, regarde, les gitans qu'on a. Pourquoi? Regarde, là, change. Les gitans. Bah, non, mais juste. Non, regarde le change. Ah, ah oui, voiture, oui, tu oui. Par là, tu revenais là. Ah, ouais, parce que. On a laissé la voiture là-bas au fond, en fait. En fait, il fallait rentrer par là. On l'avait pas vu, en fait. Non, c'est pas grave. C'est ouvert, au moins? Oh, allô. Ah mais c'est automatique. Ah non, c'est là-bas. Bonjour. Bonjour. €80,85. Très bien madame, merci. On reprend la route. On voit la ceinture de sécurité. Hein. Bon, et nous, c'est un peu galère. Hein. On va prendre. Et ça arrête pas, lui. Hein. Vas-y.
Ah lui il était déter, hein. Il allait pas s'arrêter. Il était déter. Ah ouais, chaud, c'était là. Ah putain, c'était ouais, là. Ça va. Ouais. Écoute, hein. On va tout savoir. Mais là, on s'est fait rien. Qu'on aime tant. Ouais, ça va, on paye pas encore. Pas encore. Oui. Mais tu vas pas gare. Waouh 40. Ah non. Non, abuse pas. Ah ouais, elle t'a dit plus de 60 euros, elle est sérieuse. Du coup, on va mettre un billet de vente. Hein. Ce serait mieux assez simple. Hein. Ah ouais. Hein. Et voilà, j'ai pas fait exprès. Hein. Ah, la loterie. Casino. Le casino. Bon les gars, on arrive bientôt à Lyon là. On est à combien de temps là? C'était marqué 20 km de Lyon. Ouais, 18 km de Lyon, on est parti. On est parti. T'as l'état du pare-brise. Ouais. C'est bon, j'ai. Oh, regarde qui est là. Non, à droite y'a personne. Tout en drift. On y arrive les gars, gentiment mais sûrement. Ça va, la route elle se fait bien, tu vois. Ouais, elle est fluide, elle est bien. Ouais, y'a pas beaucoup de monde. On est bien. Surtout les trois voies, ça passe bien. T'es tranquille. Parce que les camions comme ça, ils peuvent aller tout à droite, tu vois. C'est ça. Ça, c'est ce qui manque chez nous. Ça va, regarde, ils sont feu. Non, toujours pas. Je pense qu'il en a pas. Bon les gars, on est enfin arrivé là, à Lyon. On y est, on va rejoindre... Et on a 20 minutes d'avance. Ouais, ça va. Tout en respectant les limitations. C'est beau ça. La fluidité, mon gars. Là, on est arrivé. Oh, j'ai l'impression qu'elle est en train de caler. Quoi. On est arrivé là, on va rejoindre mes potes de Lyon là. Et puis, on va manger quelque chose parce qu'on a faim. Tranquille.
Tranquille ou quoi? Oh, le pont de l'air, hein? C'est pour moi ça? Ah, c'est beau! Calme-toi, garçon. Ça va ou quoi? Bon, les gars, on est arrivé à Lyon, là, on va se parquer, on va aller manger un truc, donc à tout de suite, les gars. Ah, j'ai la dalle. Dégage. On va au guichet. Bon, les gars, on a fini de manger là. Ça passe crème, hein, qu'est-ce qu'on dit? Oh oui. La petite clope là qui va passer encore plus crème. Oh putain, on s'est calculé. Ouais, t'as acheté un vrac, non? Ouais, j'ai pas de chef. Ah bah, on a tout gras, hein. Comme des gros porcs. Oh, t'as enlevé le truc en bas? Ouais, j'ai enlevé, ouais. Parce que je vais changer, j'ai reçu un autre. Ah, là, il y a du truc en bas, monsieur, en bas, frère. Bon, il n'y a pas encore beaucoup de voitures. Non, mais tu sais, il y avait aussi un peu là-bas aussi au début, vers le début. Ah ouais? T'as pas mal, t'as vu qu'on disait, mais après, je sais pas s'il y en avait, mais on gagne tout le monde. Bah, viens, on va voir. On va checker un peu ce qui se passe là-bas. Voilà. On est reparti, les gars. Yo! On va aller dans un autre spot là. Là, il n'y avait rien d'intéressant, franchement. Il y a quelque chose pour toi? Non, à part des bonnes 36 comme j'aime. Et un peu des japonaises, un peu Nissan, ouais, R33, ouais. R33. C'est un ouf là, franchement, voilà. Mais là, on va aller dans un autre spot encore, ça va être bien. Ouais, ouais. Être bien, toi. C'était l'entrée. Ah, ouais. Maintenant, on va passer au plat principal et après le dessert en drift. T'as capté ou pas? Là, il y a le petit convoi. Petit convoi de Renault. Avec la bac qui ferme la route. No, 7.30 no es. Eso es c'est une patinoire. Oh bon, t'as pas de BM, t'as tu peux faire avec toi, c'est dommage. T'as pas de BM ici. Bon les gars, bilan de la soirée pour le moment, t'as dit quoi toi Mikous? Bah franchement c'est bien parti hein. C'est bien parti. J'ai pas vu comment c'était les précédents, mais là, c'est bien parti. Là j'ai deux défaites pour le moment, mais ça se passe bien, tranquille. On roule toujours en sécurité. On prend pas de risques inutiles.
on prend pas de risque inutile comme je dis, enfin je le prends pas personnellement, donc franchement ça se passe bien. Il y a du monde en plus. Ça roule. Ah, vas-y. Putain, mais mec, c'est une maladie ça. Oh putain. Vas-y. Là on repart pour une RS3, on va voir ce que ça donne. Putain, y'a moyen là. Hein. En première, là, c'est pas mal à 20. Ah, y'a un camion. Il a dépassé. Hein. Bon, mes couches, on dit quoi là? Je kiffe. Tu kiffes? Je kiffe. C'est bon alors. Bon, vas-y. Ça s'enfume, ça s'enfume. Bon les gars, c'est fini là, on part. Parce que y a la police, elle arrive. Touloulout, 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 touloulout. Bon les gars, résumé de la première partie, c'était que de la chauffe. C'était quoi? Une RS3, une Cupra. Une WRC Polo. Donc je vous dis à tout de suite les gars, on va passer à un autre spot. Bon les gars, on repart pour le troisième spot. Je crois que je vous l'ai répété 30 000 fois, c'est pas grave. Là, on a juste fait un petit arrêt parce qu'il y a les flics qui ont débarqué pour des raisons de partir. Donc voilà, on est parti tranquillement. Là, on a profité pour laver un peu la voiture parce qu'elle était vraiment dégueulasse à cause des moustiques. Les gars, là, on est arrivé au troisième spot que je vous disais. Par contre, c'est vide quoi. C'est vide, ouais. Ça fait un peu chier quoi. La dernière fois que j'étais venu, il y avait plein de voitures, vraiment.
il y avait du monde quoi. Mais là, franchement, on va sortir, on va attendre un petit peu, on va faire un petit tour des voitures, voir s'il y a quelque chose de sympa. S'il n'y a rien, bah, on va attendre un peu et puis on verra bien quoi. Il y a du monde qui arrive un peu, mais bon, y a pas la foule quoi. Dommage. Cette fois contre une Mazda MPS. MPS qui 300... développe 320 chevaux. On va partir sur l'autoroute cette fois. Actuellement 3h30, on est à Vienne, on a déposé un pote qui était avec nous ce soir, on l'a déposé chez lui. Et là on rentre en Suisse gentiment. C'était pas le plan, on était censé rester dormir, mais on va repartir vu que mon pote il est pas fatigué. Et puis moi je suis dead, il va conduire jusqu'en Suisse, on a à peu près 1h30 de route, 2h. Ouais, 2h. Bon, ça va, il n'y a pas beaucoup de trafic, donc ça passe. Ça va, après, une fois qu'on sera sur la grande autoroute, après c'est bon. Ouais. C'est juste ici, là, on ne connaît pas bien. C'est les trois voies, donc c'est tranquille. N'oublie pas qu'on fait du sang, n'oublie pas qu'on fait du sang, n'oublie pas qu'on fait du sang. À la maison, il est actuellement 6h50. On a un peu traîné, mais on se permet même de faire des détours. Exact, tellement il fait beau. Ouais, il fait beau, ça fait plaisir. On a remis un peu d'essence, on a mangé un petit peu grasse mat quoi. Donc là, on va rentrer se reposer. Bon, le trajet il a duré un peu plus longtemps, du coup, enfin, on a fait 3 heures à peu près. C'était bien, tranquille, j'ai pu dormir un petit peu. Donc là, je suis en forme pour attaquer cette nouvelle journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a vraiment plu. Bon, en tout cas, j'ai vraiment apprécié la tournée. On remet ça très vite. Et puis, belle aventure. Et puis, je remercie aussi Amikouz d'être venu. On est là. Et puis, voilà quoi. N'oubliez pas de vous abonner, etc. Blablabla, blablabla. Bla, bla. Et mon Insta. Et le pause blanc. Mon Insta s'affiche juste ici. Allez, peace.